Bonjour à tous, c'est ici Moon Angel pour un nouveau Shiny, évidemment vous vous en doutez. Hein, si je fais une vidéo, c'est pas pour des prunes, hein. Non, pas du tout. Bon, alors on est le 13, le 13 juillet, le 14 dans 50 minutes, donc on a encore le temps. Je suis toujours en IRL chez mon ange adoré, hein. Cher coéquipier des SHTC, oui. Donc voilà, donc je faisais du triple troupeau. Donc ici, bon, c'est un escargot, mais j'avais mis le troupeau de Cradopo. De toute façon, tous les poké de la zone étaient intéressants, donc je mettais pas de repousse. Là, je faisais Colorior avec repousse. Enfin, les autres, c'est pas qui me dérange, mais c'est vraiment le sac poubelle, il est immonde et je veux absolument pas tomber dessus, donc finalement, je fais repousse. Voilà. Et là, vous avez une DS fermée. Ah, vous avez ma 3DS qui est fermée. Ma 3DS qui a chopé au haut aussi il y a quelques jours. Comme par hasard. Et là-dessus, je viens de trouver... Attention. Voilà. Monsieur le Shiny. Merci. Alors oui, j'avais mis un Wistikram niveau 13. Je sais que je pouvais le mettre au niveau 12, mais j'avais pas de Pokémon niveau 12. Donc j'ai mis niveau 13, ce qui change pas énormément grand-chose. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai dit à la main. Et c'est ce que je fais à la main. Oui, mais non, là, t'as au doigt et t'as pressé le doigt sur le bouton power. Oh, quoi, j'attrape directement? Bah, je sais pas. Enfin, après, monsieur, il est un petit tout, donc... Donc voilà, alors, oui, j'ai tout vu de l'apparition, mais j'ai pas entendu les étoiles du tout, malgré qu'il y avait le son sur la console. J'étais tellement surprise que j'avais même pas entendu les étoiles. Bon, bref. En fait, ça sert presque à rien de le faucher, tellement toute capture vraiment minime. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est la scuba, voilà. Scuba, il est tout bleu, on va utiliser la scuba. Voilà. Si je veux pas, au pire, on le sport, voilà. Bon. Alors, normalement, à ce niveau-là, il n'a rien de dangereux. Donc, c'est pas encore trop grave. Bon, on va juste le sporer et puis on va essayer de le choper. De toute façon, il n'est pas si dur que ça à capturer, donc... Sport. Là. Merci, c'est très gentil. Oh, comme il est beau, comme il dort. Bon, allez. Allez, cette fois, tu rentres. Et sois un gentil petit missiole, rentre dans la Pokéball. 50% à peu près. Allez, sois gentil. Ouais. Et sur ma... Quelle c'est sur ma principale? Ok, c'est sur ma principale, d'accord. Non. Donc, j'avais déjà un Pokédex, c'est normal. Alors, on sauvegarde. Et est-ce que tu peux me passer mon PC s'il te plaît pour que je calcule le chiffre? 1960 plus 450. Ah ouais, mais si. Ah, 2410. Attends, 2410 plus 303. Ça fait 2700. 303 seulement? Bon. 2713. 2713 seulement. Pour 2733, c'est nouveau un petit chiffre, voilà. Un peu plus que celui de OO, mais bah, ça va, quoi. C'est quand même un petit chiffre, tant qu'à faire. Alors, ah, il est là. Bon, ben, on va faire le pari nature maintenant. Tu peux le faire pour moi, s'il te plaît.
Enfin, après. Alors. Ah ouais, mais si. Bon, y a quelqu'un là. Mais là, il est aussi Hugo. Ah, si, il est là, Hugo. Les aminches. Oui, les aminches. Les aminches. Tout à fait. Oui, tout à fait, évoluant tout en café. Oui, je sais. Timide, sérieux, bingo. D'accord. Tu regardes les films. Alors bon, toi tu paries pressé, pareil. Ouais, tu es un peu pressé. Bon, et moi gentil. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui a gagné. Et c'est. Je pense que. Nita. Ouais, c'est Nita. Et j'ai Nita. Ouais. Moi j'en gagne pas souvent donc. Attends, je vais virer CDS comme ça. Tu peux me remettre l'écran de capture. Enfin, l'écran de. Que je puisse. Ah, montrer cet écran là. Voilà, beau monsieur avec une petite étoile et. Et tout le tralala. Bon ben. Alors, ceci dit, on va. Le... Mince. Bon. Attendez. Non. Et qu'est-ce qu'il dit sur la langue ouverte? Le chasseur demande s'il est HM. Ah, il est là. Ah oui, il est là. Bon. Il a même pas vu. Bon. Hey, tu peux me montrer, je vois même pas ce que je filme là. Regarde, en plus j'étais totalement décalé. Croh là. Allez, attention. Ouais, avec leur pouce, c'est bien, ça marche pas. Bon. Ah, attends. Pourquoi c'est toujours avec moi avec les micro-bugs? Non, mais il faut approcher le micro aussi. Oui. Non, ça marche pas. Ah, mais en plus, ils volent. Cool. Bah oui, qu'ils volent, mais. Ouais. Et je m'étais pas fait à la réflexion au moment même qu'ils volaient pendant les combats. Enfin. Ah, c'est bon, allez, on va encore faire une fois passer les étoiles. Aïe, allez. Ouais. Et donc ça fait notre 20e.shtc, c'est ça? Voilà. Hein? Donc voilà, alors je pense pas qu'on va faire durer cette vidéo plus longtemps pour un 31e shiny. Enfin, il est assez sympa ceci dit, mais enfin. Voilà. J'ai oublié un truc, les photos de la rencontre. Mais je ferai des écrans de capture de. Ouais, mais c'est plus joli avec la peine de prendre une super belle photo de la rencontre. Et pourquoi tu me l'as pas dit au moment même alors? Parce que c'est ton shiny. Mais moi j'y ai pas pensé, c'est pas la vie à dire, c'est pour. Ah là là là, sinon. Dédicace, bon ben on oublie cette espèce d'énergumène à côté de moi et. Bon allez, ben, dédicace à la bande des métamorphes, donc ceux qui étaient avec. Avec nous. Et qui est. Donc ceux qui étaient en conversation avec nous, donc Totera, Sasuke, Pumping Black, enfin Pumba, Hugo et Nita, et Fred qui était quelque part à côté. Et puis aussi, il y avait ceux de la Grande Converse qui ont participé au Paris Nature et aussi à notre équipe SHTC, donc. Les Cro-Maniacs, évidemment. Et puis voilà, donc. Je vais vous quitter sur des dernières petites pépites d'étoiles. Ah, mais ça risque de coller dans mes cheveux.